Eh bien, on va bien sûr passer toutes nos félicitations à l'entourage de l'écurie Gilbert Rousset. On savait que Carrare s'était blessé, revenait après une blessure, mais le cheval était vraiment superbement bien présenté aujourd'hui pour sa rentrée sur 1650 mètres de surcroît. Alors, Soudèche, à Paris réussi pour Féali, débute le 1650, prend le commandement assez facilement et m'ont pensé qu'il y réglait les causes à sa guise. Écoutez, pour commencer, comme on le tout connaît, ça c'est valable, il y a un vilain blessé. Et il est tombé, Floréal. Et sa place qui est blessée là, il y a une place qui est un peu bien, bien sensible. Il prend beaucoup de temps. Comment il est blessé, on a mené pour lui, mon équipe ici. La dame, mon bizarre, est chez tout le monde de l'équipe, l'équerie Rousset, qui nous donne un coup de nez pour soigner à ces valables là. Il nous prend beaucoup par chance au lit. Ces valables là, une seule semaine, il est parti travailler. Après, il reine commence à travailler. Et après, pour moi, ça c'est valable, c'est une part qui travaille. Il fait un travail, il fait un peu de galop avec George Layton, puis il s'offre sur là. C'est une part qui travaille. Et malheureusement, il me suis fait un bon travail avec les panneaux réussis faire. Et Paris l'a osé, c'est 150 premiers coups. C'est moi, je connais courage à ces valables là. Pas pour nous rien qu'il a gagné 6 les courses. Moi, je connais ça c'est valable, 6 mètres devant, il est bien, bien difficile pour rattraper. Et là, on voudrait remercier le propriétaire. Moi, je pensais qu'il m'a dit que j'avais fait un espoir. Et j'ai dit la vérité, ils ont fait que c'est là, la vérité, c'est un bon cheval. Il est vrai que c'est un cheval qui a toujours gagné foi en ce cheval-là, ou toujours croire en lui. Et il est prouvé encore une fois aujourd'hui. Oui, c'est quand même un dernier, moi, je suis envie, mais il est capable de 1850, capable de scaler les 1000 mètres, ça en est la manière de galoper. Se faire sauter, il est 150 comme ça. S'il est dicté, il y a un autre cheval, ça, c'est pas là. Alors sinon, Soudèche, on a posé la question à plusieurs entraîneurs aujourd'hui, un peu le débat sur le Bleed No More. Qui est-ce pour dire là? Écoutez, pour commencer, vous allez dire comme ça, ben, le propriétaire investit une énorme somme parce que c'est un cheval. Premier du monde qui promet les guérines, qui commence à vivre le Bleed No More, c'est le guérin Gilbert Rousset. Vous connaissez l'Eden Cheval. Tout cheval qui est galoupé, mon copain de fils n'a pas connu, tout le cheval qui est galoupé, ils ont saigné en dedans, ben, Bleed Inside. Ça, les prothèses, les bandes cheval là, comment dire, pour ça, on n'a pas sorti en dehors. Ok? Et quand moi, dans mon yard, chaque semaine, il y a 3-4 cheval qui me donnent ça. Ça, un préventif, un comme une précaution qui m'a fait aller. Et moi, je cours là-dedans, et parce qu'il y a une poignée, puis mis ce bête ou un cheval, il y a besoin 100% confiance que ce cheval là, il n'y a pas aucun problème dans les courses. Et moi, je ne suis pas trop d'accord qu'il arrête ça, d'affaiblir nos mots là. Moi, je pense que parce que ça va être cheval qui nous gagne, Maurice là, enfin, nous tous connaissons cheval seconde main là-bas. Après, dans leur environnement, qu'ils ont resté dans Maurice, reste dans une boxe fermée 24 le 24, pour moi, je trouve une affaire d'essentiel pour un cheval bien gagner ça sur les courses. Eh bien, merci Soudèche. En tous les cas, bravo, un beau doublé aujourd'hui, l'écurie Gilbert Rousset, solide de commande. Pas mal de gains aujourd'hui au niveau de Stakes Money. C'est important d'être bien dans le coup, comme on dit, Soudèche. Oui, nous ne sommes pas capables de trop plaigner, comme on dit, nous ne sommes pas trop plaigner. Chaque semaine, nous pouvons gagner les courses et nous espérons que ça continue. Pour le moment, nous ne pouvons pas arrêter. Mais nous espérons pas arrêter. Dis-moi un petit mot, Mal Fuji, la pluie est tombée. C'est un cheval qui a gagné sous la pluie la dernière fois. Mal Fuji, c'est un cheval qui a gagné dans la pluie la fois dernière. Mais cette fois-là, il y a la ligne intérieure. Je ne connais pas si c'est pas galopant de haut, bien non, parce que là, je ne pensais pas le bord, cette fois-là, pour le fence. Et si c'est OK, là, quand même, tirer en dehors, on va essayer de pouvoir faire l'arrivée. Merci, Soudèche, en tous les cas. Bravo, encore une belle moisson de l'écurie Gilbert Rousset aujourd'hui. Sur ce, on retrouve bien sûr Adjiv et Jug. C'est à vous, messieurs.